L'affaire n'est donc pas encore terminée. Selon l'avocat d'André, on peut encore compter au moins une année avant que la justice ne tranche. Même si ces douleurs ne disparaîtront jamais, ce serait déjà un apaisement pour André d'avoir gain de cause et d'être enfin reconnu comme victime, ce qu'il revendique depuis 10 longues années. C'est une histoire douloureuse, celle d'Evelyne et de sa famille. Evelyne a accouché d'un petit garçon, Tim, à 20 semaines de grossesse, mais Tim n'a pas survécu. Légalement, le bébé n'a pas droit à un enterrement officiel puisqu'il est né avant 25 semaines de grossesse. Une souffrance terrible pour cette maman. Oui, c'est atroce. Mets-toi plus loin, Jérémy, t'es trop près. C'est un truc, franchement, t'es trop près. On attendait avec impatience. Les enfants aussi, j'étais super content de savoir qu'on allait avoir un bébé. Tout se passait super bien. Au printemps dernier, Evelyne tombe enceinte de son 5e enfant. Le bébé est prévu pour novembre. Filme dans sa gueule, sa gueule. Déjà préparé, acheté tout pour le cycle. Parce que on était pressé de l'avoir, on était impatient d'avoir Tim. On a cherché un prénom qui n'est pas fort réputé, on va dire, et qui est très discret. Et on a choisi Tim. Au début du mois de juillet, Evelyne fait une chute. Elle se rend très rapidement à l'hôpital car elle perd du liquide. Elle est très inquiète. Une fois, elle arrive à l'hôpital.